Vous avez retenu quoi de ce stage sur trier ses déchets? Les mettre dans les trois bonnes poubelles. D'accord. C'est quelles les trois bonnes poubelles? La verte, la jaune et la bleue. Ok. La verte, ça sert à quoi? C'est pour le vert. C'est pour le vert, ok. La jaune, ça sert à quoi? Pour le plastique. Pour le plastique, très bien. Et la bleue? Pour le journal. Ok, très bien. Et toi, Mathéo, qu'est-ce que tu retiens de ce stage? Bah, qu'il ne faut pas jeter ses déchets par terre, parce que sinon, ça fait polluer la terre. Ouais, très bien. Mathis? Bah, pareil que Mathéo, si on n'est pas sur là, on est en train de polluer la terre. D'accord. Et si on pollue, qu'est-ce que ça fait? On peut mourir. On peut mourir, très bien. On peut avoir des maladies. On peut avoir des maladies. Comme dans la Chine. Et toi, Clément, qu'est-ce que tu as retenu de ce stage? Il faut les mettre dans les bonnes poubelles, okay. Que si on les met pas... Ouais, très bien. Et toi, Brice, qu'est-ce que tu as retenu de ce stage? Qu'il faut recycler. Et pourquoi il faut recycler? Pour éviter que ça pollue. Ouais, ok. Et qu'est-ce qu'on fait des objets qui sont recyclés? Eh ben, on s'en sert pour après. Voilà. On fait quoi? On les remodifie. Oh, très bien, on les remodifie. Enfin, ça leur donne une seconde vie. Ça évite d'en refroidir. Ça évite de polluer. Voilà, très bien. Et toi, coach, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce stage sur le triage des déchets? Nous, ce qu'on a pu voir, c'est que grâce au foot, on a pu apprendre aux jeunes à avoir les bons gestes, notamment grâce aux exercices de motricité et trier ses déchets.